Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui revient assez régulièrement en leçon de conduite, c'est le rythme. Alors beaucoup d'élèves confondent le rythme et la précipitation. Je vais vous montrer déjà comment avoir du rythme. En bonus, en plus, je vais vous montrer comment avoir une conduite écologique. Vous voyez, c'est toujours un point de plus à avoir le jour du permis de conduire. Et puis surtout, ça fait du bien à la planète. Donc pour lui faire plaisir aujourd'hui, mais pas qu'à elle évidemment, je vais vous montrer tout ça dans une petite vidéo, à savoir que le rythme, c'est rouler dès que c'est possible à la vitesse maximale autorisée, mais surtout attention, c'est pas accélérer ou freiner, c'est pas accélérer et freiner tout le temps, c'est accélérer, ralentir. Ça fait du bien de ralentir dans la vie de tous les jours. Et après, évidemment, faire un choix, soit reprendre l'accélérateur, soit freiner pour s'arrêter, freiner rétrograder, bref, vous connaissez la chanson. Donc on y va. La voiture est prête, elle est motivée et moi aussi ça tombe bien, donc on est parti. Donc là-haut, je vous mets le lien d'une vidéo qui devrait aussi vous aider si jamais vous ne l'avez pas vue. Cette vidéo, c'est vraiment comment avoir le niveau du permis demandé le jour de l'examen, où cette fois-ci, je vais vous montrer comment être doué dans chacune des compétences. Là, on reste vraiment axé sur le rythme aujourd'hui. Vous allez voir que si vous regardez cette vidéo aussi jusqu'à la fin, elle va vous aider. Donc le rythme, et vous allez le voir, c'est tout simplement faire les choses de manière rapide. Par exemple, le passage des vitesses, par exemple, le rétrogradage, par exemple, les contrôles. C'est vraiment faire les choses un peu plus rapidement, de manière à ce qu'il y ait quand même un certain rythme, un peu finalement comme quand vous écoutez une musique. C'est-à-dire que si vous aviez le même rythme en permanence, évidemment, peut-être que vous l'écouteriez pas vraiment et qu'à un moment donné, ça serait saoulant. Allez, donc par exemple ici je suis tout simplement hors agglomération, donc je sais que c'est limité à 80 km/h, et j'essaye, puisque c'est possible, d'atteindre la vitesse maximale autorisée. Donc vous l'entendez, mon moteur rugit un petit peu. Voilà, j'utilise un peu le sur-régime, c'est-à-dire que je fais gronder un petit peu mon moteur. Je sais que derrière, j'ai pas grand monde. Je sais que devant, ma distance est bonne. Et puis au niveau de mon allure, tout va bien. Donc je peux être à 78 km/h ou 82. C'est pas si grave que ça. Allez voir la vidéo où je vous parle énormément de l'allure à adapter le jour de l'examen aussi. Si vous l'avez pas encore vue, elle va là aussi grandement vous aider. Donc vous voyez par exemple ici j'aperçois une intersection, donc je lâche l'accélérateur et je ralentis en surveillant derrière. Là je ne touche plus l'accélérateur, ce qui veut bien dire que je ne consomme pas de carburant et donc que je ne pollue pas. Vous avez vu, je suis toujours en train de freiner pour rétrograder et je n'ai toujours pas repris l'accélérateur puisque devant ça freine. Donc je vais tourner à gauche, j'ai toujours le frein en douceur, voilà. Mes contrôles sont faits de manière rapide. Ici, je vérifie bien autour de moi qu'il n'y a personne. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un ralentisseur là-bas au fond, mais je viens de mettre ma troisième. Et là, il y en a certains qui vont se dire, mais ça sert à rien. Si, là, je viens de lâcher l'accélérateur, derrière, j'ai rien. Et évidemment, frein rétrogradage avant la bosse. Donc, c'est pas que ça a servi à rien de mettre la troisième, c'est que j'ai pu le faire pendant quelques secondes. Je ne m'en prive pas. Là, j'accélère un tout petit peu plus, troisième déjà. Voilà, derrière, la voiture est loin, devant, ma distance est correcte. Je roule à 42 km/h, plus, ça serait dangereux, moins, ça serait plutôt chiant en fait. Vous voyez, j'ai pas accéléré depuis, derrière c'est bon. Et j'attrape le frein en douceur, je vais jeter quelques coups d'œil ici sur le giratoire. Et vu qu'il n'y a rien, hop, j'y vais. Donc j'accélère de nouveau un petit peu plus. Et déjà, j'aperçois là-bas au fond des panneaux jaunes, donc on m'annonce des travaux, je verrai bien sur quoi j'arrive. Là j'accélère mais en douceur, vous avez vu que ma vitesse de croisière c'est à peu près 42-43 km/h, je lâche déjà l'accélérateur. Pourquoi ? Tout simplement parce que devant ça freine, en plus on m'annonce un feu, derrière ça colle pas, et donc le feu est rouge, il passe au jaune clignotant. Voilà, je n'ai toujours pas repris l'accélérateur. Je passe la bosse, là j'accélère. J'accélère dans l'idée de passer au feu clignotant, c'est le cas. Derrière, ça colle pas. Et je passe ma troisième pour soulager mon moteur. Là, je suis dans une conduite écologique. Je ne pousse pas forcément aussi fort mes vitesses que hors agglomération pour la simple et bonne raison que ici il y a des travaux et surtout je suis en ville. Donc très rapidement, je suis sur les dodanes, les giratoires, les tournants, etc. Vous voyez par exemple ici ça descend, ça servira à rien de garder l'accélérateur, bien au contraire. Je viens de laisser rouler ma voiture, Voilà, ma voiture ralentit, ok, et ici je vais même attraper le frein pour la distance de sécurité. Donc derrière ça ne colle pas, voilà, je n'ai toujours pas repris l'accélérateur, je laisse descendre, j'utilise vraiment, alors devant ça freine, je surveille derrière, j'utilise vraiment l'élan de la voiture, ce qu'on appelle aussi parfois l'énergie cinétique. Donc je sors d'agglomération derrière, il n'y a personne, et je pousse mes rapports. C'est là où justement je peux pousser un peu plus fort ma voiture. Tout simplement, je vais étirer un tout petit peu plus mes rapports de vitesse. Donc je roule, je suis prioritaire et je me permets même la cinquième, vous voyez, parce que ici, je connais assez bien et j'arrive sur un virage, coup d'œil derrière, je rétrograde déjà et je n'accélère pas. Je n'accélère toujours pas, je passe le virage, sortie de virage, boum, j'accélère. Allez, j'arrive de nouveau dans un virage à droite, je lâche l'accélérateur. En plus, ça coupe bien la force centrifuge, je ne suis pas projeté violemment à l'extérieur des virages. Et dès que j'aperçois de la visibilité maintenant, boum, je réaccélère, derrière il n'y a rien. J'arrive sur une succession de virages, il n'y a pas de problème, je lâche déjà l'accélérateur. Donc là, le fait que ça monte un petit peu, bah, ma voiture est tout simplement retenue par la légère montée. Ici, je reprends l'accélérateur pour redonner un peu d'élan. Je ralentis à nouveau. Je reprends l'accélérateur. Et là, la visibilité, eh bien, elle n'est pas trop mal. Derrière, j'ai toujours personne. Et vous avez vu, en fait, ça fait un long moment, depuis le feu rouge suivi de la descente tout à l'heure, que je n'ai pas freiné. J'ai pas besoin. Je ne suis pas sans arrêt en train d'accélérer pour freiner. Je suis vraiment de temps en temps en train de laisser tranquille mon accélérateur et surtout après de laisser rouler ma voiture. Souvent, les élèves, quand ils apprennent à conduire, c'est soit ils freinent, soit ils accélèrent. Regardez, virage, je lâche déjà l'accélérateur. Derrière, j'ai personne. Ma voiture roule toute seule. Pourquoi pas le pied au-dessus du frein au cas où il y aurait du monde? Voilà. Et j'accélère pas. Je viens de voir une entrée d'agglo. Donc là, 50 km/h derrière, ça va. Regardez, j'ai toujours pas freiné. J'ai pas besoin. Rien de... Hop, je viens de voir déjà, je suis en troisième, je viens de descendre la 3, j'ai toujours pas accéléré. Je suis en train de descendre, c'est parfait cette route. Et je laisse toujours descendre ici ma voiture. Elle est retenue par la troisième, donc à peu près 50 km/h. Voilà. Là, je viens de rentrer en agglomération. Si je vois que je dépasse les 55, regardez bien, hop, 56, je freine, derrière, ça colle pas. Voilà. Je ne suis pas en train de jouer avec le feu, avec l'excès de vitesse. Ma voiture, vous avez vu, ça fait au moins 15 secondes, peut-être 20 d'ailleurs, que je n'ai toujours pas repris l'accélérateur. Voilà. Alors là, c'est sûr, je ne vais pas très vite, je suis qu'à 48, mais je ne vais pas réaccélérer pour freiner. Non, ma voiture, pendant ce temps, elle ne consomme pas, elle ne pollue pas. Derrière, la voiture, elle est très loin. Devant, tout va bien. Et je vais récupérer du coup l'accélérateur quand le sol va être plat, c'est-à-dire à peu près ici au panneau rouge. Voilà, c'est-à-dire maintenant, j'appuie mais doucement sur l'accélérateur pour essayer de nouveau d'atteindre les 50. Ici, je suis pas idiot, on m'annonce virage dangereux, ben, je ralentis déjà. Je surveille derrière, j'ai même le pied au-dessus du frein. Et là, vous voyez, s'il y a un problème, ben, tout de suite, je m'arrête. Voilà. Là, je redonne un petit peu d'élan, je laisse rouler ma voiture. Ok. Vous voyez, quand vous faites du vélo, finalement, ben, c'est exactement pareil. Est-ce que je suis toujours en train d'accélérer partout? Ben non, d'accord. Des fois, je vais laisser rouler mon vélo, des fois, je vais freiner, des fois, je vais ralentir. Et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à faire de nombreux kilomètres. C'est pas en accélérant et en freinant partout. Sinon, bah déjà, on va se griller toute l'énergie qu'on a. Et surtout, en plus, on va en plus abîmer son vélo. Donc là, j'y vois pas. Qu'est-ce que je peux avoir? Un camion. Ok, je freine, je surveille derrière. J'accompagne avec douceur le frein. Ok, là, j'accélère un tout petit peu plus. Pourquoi? Bah parce que la visibilité est meilleure. Ici, j'arrive, virage à gauche. Je vois déjà loin là-bas. Voilà. Et là, j'accélère pas. Vous avez vu, ça roule tout seul. Hop, nickel. J'arrive ici. Reprise un peu d'accélérateur puisque je suis plus qu'à 39 km/h. Je laisse rouler. Voilà, je n'accélère toujours pas. Voilà, les vélos, vous voyez, là-bas au fond, ils passent. La voiture, elle ne me coupe pas la route, mais j'avais le pied au-dessus du frein. En plus, je le connais. Donc derrière, ça va. Ok. Ici, ben, je suis toujours en agglomération puisque j'ai toujours pas vu la sortie. Donc j'essaye d'atteindre les 50. Vous voyez, je suis à 47, c'est pas très grave. Hein. Si j'étais à 51, ça serait pas grave non plus. Et là-bas au fond, j'ai déjà la sortie d'Aglo. Ok, dans ma tête, je me prépare. Je sais que je peux atteindre les 80. Coup d'œil derrière, on est parti. Boum, au panneau. Hein. Pas 8 secondes avant, pas 10 secondes après. Voilà, j'ai déjà mis ma case. J'accélère plus. 5e déjà. Et voyez, finalement, quand j'arrive ici, j'ai largement le temps de passer mes vitesses. Mais si là, je suis toujours en 4e, évidemment, à un moment donné, je vais me dire « Ouais, mais c'est trop court pour mettre la 5e, c'est dangereux. » Non, non, non. Mes vitesses me permettent de soulager mon moteur. Entrée d'aglo, je lâche l'accélérateur. Regardez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, même 1, 2, 3, 4, 5, ok, là, clac, vous avez vu, pendant 15 secondes, alors j'ai fait un peu du n'importe quoi au niveau du comptage, mais vous m'en voudrez pas, j'en suis sûr, je viens pendant 15 secondes de foutre la paire mon accélérateur. Et ça, mine de rien, eh ben, au bout d'un an de conduite, ça fait quand même de sacrées économies aussi, au niveau de l'entretien de mon véhicule, de ma boîte de vitesse et de tout ce qui s'ensuit. Même à la fin du mois, quand je vais mettre le carburant, ben, je serai quand même soulagé. Voilà les gens, j'en ai profité du coup pour faire cette courte conduite commentée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez du mal à avoir du rythme dans votre conduite, dites-moi aussi si vous ne comprenez pas bien ce qu'est la conduite économique. L'espace commentaire, bah, il est surtout dédié à vous, hein. J'adore échanger avec vous aussi. Pensez bien que je lis bien chacun de vos commentaires, même si je le dis souvent, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que vous êtes trop nombreux à m'écrire. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager mes idées et mes connaissances avec vous. Restez motivés les gens, on se revoit bientôt, à plus.